vous, chers amis, chers parents, chers enfants, chers internautes qui nous suivez dans nos chroniques destinées aux familles et aux enfants. Nous revenons pour compléter notre dernière session sur comment se faire des amis, une session qui est vraiment destinée à nos enfants. Nous avions vu les bonnes et les mauvaises approches. Nous allons aujourd'hui continuer et discuter sur les bonnes et les mauvaises raisons. Une des mauvaises raisons qu'on trouve, c'est la peur. Et une des bonnes raisons, c'est la volonté. La peur d'être seul, de se retrouver seul, ça c'est tout à fait normal chez tout individu. Surtout, il y a des âges, notamment l'adolescence, où on est souvent en crise, on a peur de se retrouver seul, on n'a pas envie de se retrouver seul. Ça, c'est un peu les aspects qui sont liés à la peur, et c'est parce qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau de maturité. On ne connaît pas suffisamment la vie, et aussi on voit que de moins en moins nos adolescents lisent ou suivent des programmes de développement humain, c'est-à-dire que il y a l'école, on apprend les matières un peu pédagogiques, comme on dit, mais la grande école de la vie, les compétences qui sont nécessaires pour traverser les âges, pour trouver sa place dans le monde, pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez, ça, généralement, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école. C'est avec les parents, généralement, que vous pouvez apprendre ça. C'est pour ça que je parle de l'école de la vie. Souvent, vous cherchez des réponses avec les amis. Si vous avez des amis qui ont un peu plus de sagesse, il ne faut pas hésiter à discuter avec eux. Donc ça, ce sont les compétences de la vie de manière générale. Et quand on a peur, c'est vrai qu'on a tendance à un peu être extraverti parfois, à aller chercher des amis un peu partout. Et comme nous l'avons déjà dit dans nos dernières chroniques, on peut trouver beaucoup de compagnons. Mais quand vous avez peur, vous aurez du mal à trouver des gens, des amis qui vous donnent vraiment les réponses qualitatives dont vous avez besoin. Parce qu'en réalité, les premières réponses, vous devez les trouver à l'intérieur de vous-même. C'est en vous qu'il y a les bonnes réponses. C'est pour ça qu'on va voir maintenant les bonnes raisons. Les bonnes raisons pour se faire des amis, c'est la volonté. La volonté que vous devez trouver dans vos cœurs, la volonté pour avancer ensemble, pour créer une relation avec quelqu'un d'autre qui a la même bonne volonté que vous pour créer une relation. Donc la volonté, elle est très importante. Si cette volonté, vous la trouvez, si vous trouvez quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, c'est votre ami. Vous avancez ensemble. C'est la volonté pour pouvoir vous développer. C'est la volonté pour pouvoir faire avancer la famille, contribuer dans la famille, prendre des responsabilités dans la famille. Et ça, c'est très important. Vous devez pouvoir discuter également avec les parents, échanger en espérant trouver chez les parents une oreille attentive, un grand cœur pour pouvoir vous écouter et vous laisser vous exprimer. Donc ça, c'est la volonté. Vous devez également trouver cette volonté-là dans la classe avec des enseignants. Vous avez toujours des enseignants qui ont une oreille attentive, qui savent écouter les jeunes. C'est la volonté également dans nos mosquées, quand vous avez des adultes responsables, ou peut-être l'imam, pourquoi pas, partout où vous pouvez trouver des adultes responsables qui sont capables de vous écouter, qui sont capables de vous respecter et de vous faire avancer par les conseils qu'ils vous donnent. C'est la volonté donc de vous développer vous-même. Ce n'est pas la peur qui va vous aider à avoir des amis, mais bien la volonté. Cette volonté, elle vous donne une autre force. Elle vous donne la liberté. La liberté de rester dans une relation qui est mutuellement bénéfique, où vous apportez quelque chose, où vous apprenez également quelque chose. Vous recevez quelque chose, vous donnez quelque chose, vous prenez quelque chose et vous laissez également quelque chose. La liberté. Mais vous avez également la liberté de quitter une relation quand vous vous rendez compte que parfois, vous avez été floué, vous avez été, on peut dire, entre guillemets, trahi dans une relation où vous pensez que vous avez tout donné, mais qu'à côté, vous voyez, vous ne vous sentez pas respecté, vous n'avez pas été respecté dans cette relation-là. Vous avez la possibilité d'aller ailleurs. Et on voit que quand vous avez peur, vous perdez cette liberté-là.
quand vous avez peur d'être seul, vous restez dans une relation, même si cette relation elle est parfois empoisonnée, même si cette relation peut être parfois toxique, même si cette relation peut être parfois négative. Et souvent, vos parents vous avertissent que telle, ce n'est pas une bonne relation pour vous. Et malheureusement, à certains âges, notamment à l'adolescence, les jeunes ont tendance à ne pas écouter leurs parents. Parfois, ils pensent qu'ils savent plus que leurs parents. Mais vous savez, ça va être très difficile. Comme on le dit dans un bon proverbe africain, les parents, même assis, ils peuvent voir beaucoup plus loin que les jeunes, même quand ils sont debout. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre que les premiers enseignants, ceux qui vont vous donner les compétences de vie dont vous avez besoin, ce n'est pas l'école, c'est avant tout les parents. Votre capacité à écouter vos parents et à tirer les grandes leçons de ce qu'ils vont vous dire, ce sont ces capacités-là qui vont vous aider à construire les fondations pour pouvoir choisir les bons amis, ceux avec qui vous pouvez cheminer tout au long de la vie. Et on les voit, il y a beaucoup de relations qui ont plus de 50 années d'existence, des gens que l'on connaît de très longue date, avec qui on est resté ensemble toute notre vie, alors que ce n'est pas notre famille directe. Mais ça finit par être une vraie famille, parce qu'on a su choisir ses amis. Et ce qui vous permet de choisir vos amis, c'est votre détermination, et donc pas votre peur. C'est également votre liberté, et donc pas votre peur. Et vous n'avez pas de liberté si vous n'avez pas de détermination, si vous n'avez pas de volonté. Donc c'est très important de différencier. Si vous sentez que la peur vous amène à aller chercher des relations, sachez que vous n'avez pas pris le bon choix. C'est dans votre cœur que vous devez choisir, vous devez sentir, pardon, la volonté. Que vous avez la volonté d'aller vers les autres, de construire avec les autres. Des fois, vous avez vous pouvez vouloir rester seul. Ça, c'est également votre volonté qui vous aide à rester seul. Donc, rester seul, ce n'est pas un problème. Aller vers les gens, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est pourquoi on y va et pourquoi on reste seul. Si on reste seul parce qu'on a peur, on est dans une relation pathologique. Si on va vers les autres parce qu'on a peur, on est toujours dans une relation maladive. C'est juste, ça doit venir du cœur. On va vers les autres pour apporter ce qu'on a de meilleur. On reste seul pour se donner à soi-même ce qu'on a de meilleur. Dans tous les cas, c'est votre volonté qui doit être au-devant des choses et non pas votre peur. Donc sur ce, j'espère que ces conseils auront été utiles pour vous ainsi qu'ils pourraient l'être pour les parents. Nous finissons pour vous dire qu'il faut bien échanger avec les parents. Apprenez d'eux. Ensuite, c'est vous qui faites le tri, mais ouvrez grand vos cœurs et vos oreilles pour discuter avec les parents, parce que les grandes compétences dont vous avez besoin, elles se trouvent dans la famille avant de se trouver à l'école et à l'extérieur de la maison. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.